Le Marshall, comprenez Joël Crasso. Alors, nous sommes dans un moment de confinement. Aujourd'hui, c'est pratiquement, voilà, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 avril 2020. Jeudi 9 avril 2020, pratiquement 14h06 minutes à moment. Nous sommes dans un moment de confinement. Pour nous, c'est un moment où nous prions et en contact avec l'Éternel, le Maître infini de l'univers qu'on appelle Adonai, le Dieu des Hébreux. Voilà, qui nous prions, à qui nous avons toute cette confiance. Alors, à cette heure, voilà, il est 14h ici, il doit être 12h de chez vous. 12h universelle. Voilà, ben, comme d'hab, voilà, dans ce moment de confinement, je prépare, et je fais la nourriture à mon épouse et à ma petite famille ici. Voilà, donc le problème, c'est je dois vous montrer une recette. Voilà, parce que le maréchal, il n'est pas que seulement le maréchal, mais voilà, il fait beaucoup de choses, quoi, d'accord? Il fait beaucoup de choses, donc c'est justement vous amener à comprendre que au travers de la personne que je suis, je suis aussi un père de famille, j'aime mon épouse, j'aime ma petite famille, dans un moment de confinement, au fait, pour dire aux gens, restez chez vous. Et quand vous restez chez vous, faites la nourriture. Voilà, restez chez vous, soyez en communion avec vos familles, partagez beaucoup de choses. Pour moi, depuis un moment, mon épouse, je lui demande de rester tranquille. Je n'ai même pas fait la nourriture. Non, je reste en cuisine. Je reste en cuisine, j'ai fait. D'abord, pour ce que vous ne savez pas, c'est que le prophète, le maréchal, si vous voulez, il a fait aussi une formation hôtelière. Non seulement ça, mais ma passion, c'est la cuisine. Voilà, j'aime bien cuisiner. Alors, donc, j'aime mon épouse. Et je l'appelle Bessora, affectueusement Bessora, parce que Bessora, c'est une fleur qui apporte. Parce que quand je parle de mon épouse, c'est avec beaucoup de joie, c'est-à-dire, je suis super excité. Mon épouse, je l'aime tellement. Bessora, ça veut dire bonne nouvelle, c'est qui apporte une bonne nouvelle. C'est vrai qu'elle a son nom à Patricia Kouassi, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le nom dans lequel, ben, le jour que je l'ai rencontré, je dis, toi tu t'appelles Bessora, parce que j'ai identifié quelque chose, j'ai décelé quelque chose en elle. Une femme bien, donc je l'appelle Bessora, d'accord? Alors, je suis à la maison, là ce n'est pas l'émission, l'émission c'est quoi? C'est-à-dire, on est confiné, je pense que ça sera renouvelé, c'est pas mal, c'est une manière de nous protéger, tout le monde, et tout ça. Il faudrait faire aussi la nourriture, n'est-ce pas? Vous pensez que je ne sais pas faire de la nourriture? Mais j'ai déjà montré ça, j'ai déjà fait beaucoup de missions par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la sauce gombo grillée, n'est-ce pas, à la base d'épinards. La sauce gombo grillée à la base d'épinards. C'est, on appelle la sauce de la victoire. La dernière, les toutes dernières fois vidéo, je pense qu'il y a maintenant un an de cela, mais ça fait quelques jours, ça fait deux semaines. Chaque jour, j'ai préparé à mon épouse le bangouin. Elle me dit, mais c'est quoi le sac à sac? Je dis, mais en Côte d'Ivoire, on appelle ça le bangouin. Donc, on a les boîtes de conserve. J'ai fait du bangouin à mon épouse. Et j'ai fait aussi, j'ai fait quoi, chérie? La sauce patate douce. De la patate douce, tout ça. Et aujourd'hui, c'est, j'ai une spécialité, c'est le gombo grillé à la base de l'épinard. Voilà, l'épinard, parce que c'est important. Restez chez vous. C'est une mesure de prévoyance. Voilà, et éviter de porter des masques, c'est pas mauvais. On est chez nous, on n'a pas besoin de porter des masques. Mais c'est important comme tout ce qu'on dit. Mais en même temps, je dédie ce morceau à mon épouse. Et puis en même temps, ça pour moi une occasion de dire, voilà, hommage à Daisy Champion. Voilà. Voilà, ça fait un an que j'ai perdu, deux ans que j'ai perdu ce monsieur. Mais ça me permet de me rappeler beaucoup parce que lui et moi on a parlé de beaucoup de choses. Ok, on est parti pour la cuisine là. On est parti pour la cuisine. Voilà, c'est la cuisine là. Je t'aime bien. Bessora. Bessora avait des bonnes nouvelles. Voilà, donc voici ça. Voilà, excusez. On parle d'amour entre un père et de son fils. Daisy Champion, là où tu es, repose en paix. C'est que vous ne savez pas de Daisy Champion, il se confiait beaucoup en moi. Parce que je suis quelqu'un qui, avait, depuis 2004, nos relations, c'est son temps jeu. Amateur du christianisme, beaucoup de choses, de tout ça.
Il avait déjà fait J'ai pleuré avant de faire cet album. Toute fois qu'il rentrait en studio, je pense que le maréchal que je suis, j'ai participé à toutes ses interventions en tant que directeur artistique. Je l'ai assisté dans certaines choses. Père à son âme, que Dieu le bénisse. Voilà, mais parce qu'il parle de l'amour là, parce que là, je suis un homme très amoureux de ma femme, et ça, je le dis tous les jours. Voilà, je mets de l'huile parce que c'est l'huile là, ça c'est le Congo du Yé. Voilà, donc on a des tombeaux. Voilà, on a du gombo prié. Voilà. Voilà. Samson s'est battu pour l'amour. On ne prend pas femme à la mairie à cause de beauté. On ne prend pas femme à la mairie à cause de beauté. Écoutez, la suite. La suite, c'est quoi? On ne prend pas une femme parce qu'elle sait s'habiller. Ah! On ne prend pas une femme parce qu'elle sait s'habiller. Gombo crié, gombo, la sauce gombo crié. Vous pensez que c'est seulement Marie-Jean la brigade? Écoutez, on n'est pas une femme parce qu'elle sait s'habiller. N'importe quoi. Gna 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 gna. Et comment ça s'habiller, tout ça? Voilà, donc, écoutez. Voilà, on met la musique un peu. On épouse une femme à cause de son cœur. On épouse une femme à cause de son cœur. On n'épouse pas une femme à cause de sa beauté, parce qu'elle sait s'habiller. On épouse une femme à cause de son cœur. J'ai eu la femme de ma vie. Voilà, moi, c'est ce qui est plus important. Voilà. Waouh là. Voilà, donc, je sens que lui est en train de brûler. Voilà, donc, en tant qu'un bon cuisinier, parce que là, je suis pressé, je vais faire manger la nourriture à celle que j'aime. Bessura. Bessura veut dire la femme de ma vie et la bonne nouvelle. Voilà, donc, voilà. Voilà, donc, voilà, c'est comme ça. Voilà, le combo brûlé à la base de la tina. Voilà, voilà, on joue la musique, je suis champion, hommage à Jésus. Voilà. Voilà, c'est en train de griller, c'est l'oignon. Je fais déjà l'oignon, maintenant, comme c'est le gombo grillé, voilà, je commence à mettre le gombo grillé. Je vous ai bien dit la recette, c'est gombo grillé. Voilà, donc vous comprenez déjà ce que c'est déjà. Gombo grillé. Voilà, gombo grillé. On y va. Voilà, je vais revenir là-dessus. Gombo grillé, vous comprenez? Voilà, gombo grillé. Voilà. Voilà, donc gombo grillé, c'est comme ça, ça se passe. Alors, du coup, je fais un break. Le break, c'est que je mets du poisson. Voilà, le poisson, je le mets dedans. Je le mets dedans. Je fais un break, je mets du poisson. Je prends ce poisson, déjà parce que ça me prend des points notables. Je mets du poisson là. Et puis suivez la suite. Préparez pour vos épouses. Vous êtes là, confinés, en train de papatoya. Il ne faut pas être tellement papato. Vivez votre amour. Papato, ceux qui parlent dans le confinement sont de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Alors donc. Bon, moi je m'en déplore. Je suis né dans une famille musulmane. Mes parents sont. Je suis né musulman. Musulman, là, 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 là. Moi je suis né musulman. Et je suis converti, donc
Je mange tout. Ça, c'est bien des pas. Ok? Voilà, bien des pas. Voilà, bien des pas. Ok. Voilà encore. Parce qu'il faut que le confinement. Alors, je vais écouter la musique parce que ça me fait du bien. Désolé, je vais écouter les hyper autographes. Respecte ton mari. Vous allez remarquer la plupart des femmes qui sont sorcières ne respectent pas leur mari. Regardez même ceux qui pensent qu'elles sont exemptes. Elles ne respectent pas leur mari. Elles ne s'occupent pas de leur mari. Elles s'en foutent de leur mari. Donc quand les gens sont heureux dans leur foyer, elles attaquent. C'est la sorcellerie. Vous ne respectez pas vos maris. Vous ne vous occupez pas de vos maris. Et quand les gens sont heureux dans leur foyer, vous les attaquez. C'est ce qu'on appelle Essa, sorcellerie Essa. Voilà. Je laisse ça, justement. Alors, quand je poursuis mon bambou grillé, voilà, on poursuit le bambou grillé. Le bambou grillé. Vous pensez que c'est Marichal, seulement de la brigade, désolé, hein. On est là pour ça. Alors, donc écoutez. Voilà. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Le bongo grillé, le bongo grillé, c'est ça. Voilà. Alors, je mets le morceau parce que ça fait du bien. Laissez-moi, je t'aime, mon épouse, laissez-moi, je t'aime. Alors, je mets le bruit. Voilà, voici. On peut faire les portails là, tu vois un peu. De quoi je... Voilà. Ça, c'est le bambou grillé. On vous a toujours montré, Sol Grette. Aïe, 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 aïe. 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 On parle d'amour entre un père et sa fille, ton fils. Mère et sa fille. Entre l'homme et la femme, on parle d'amour. C'est cet amour que je vais te parler. Ah. Quoi? Pour l'amour. Aïe, 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 on n'envoie pas une femme à la mairie à cause de beauté. On n'envoie pas une femme à cause de beauté. On n'envoie pas une femme à cause de la mairie à cause de beauté. Sinon, il y en a plein et beaucoup de femmes. Ils ont marié Miss Monde, Miss Temps. Elles ont pourri. Elles ont frayé. Le nom de frayé. Bien.
On n'envoie pas une femme à la mairie à cause de beauté. On n'envoie pas une femme à la mairie parce qu'elle sait s'habiller. On épouse une femme à cause de son cœur. C'est pour ça qu'il dit Bessora. Mon épouse, elle s'appelle Bessora. Maintenant, je jette les petites crevettes dedans. Petites crevettes dedans. Jetez les petites crevettes. C'est la sauce gombo grillée à la base de l'épinard. Quand on est confiné, on mange des trucs comme ça. N'oubliez pas. C'est vrai que j'ai pris un peu de poids, si je reconnais. Mais on se gère bien. Voilà. Ouais, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Ça sera bien géré. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, donc j'ai fini mes gombos grillés. J'ai fini mes gombos. Voilà, c'est comme ça. Je les jette parce que c'est important, le gombo. Parce que c'est la base du gombo. Hein. C'est le gombo grillé. À la base, c'est le gombo grillé. Voilà. Alors, vous allez poser beaucoup de questions après. Bon, la recette, suivez la recette. J'aurai l'occasion à la conclusion de cette vidéo. Je vous dis comment faire cette recette. Mais je vous dis, c'est une recette de la victoire. C'est-à-dire, j'ai tellement la victoire, je vis la victoire, je savoure la victoire. Mes ennemis sont déjà perdus. Mes ennemis ont perdu le combat. J'ai toujours la victoire sur mes ennemis parce que je suis sincère dans moi. Je suis sincère dans ce que je fais. Alors, donc voici ça. Voilà, vous mettez maintenant la tomate fraîche maintenant. Voilà, c'est maintenant où j'essaye de mettre. Voilà. J'essaye de mettre tout ça. Voilà. Regardez, coupez comme ça. Faites attention, hein. Parce qu'il y a des viandes aussi qui rôdent dans les cuisines. Attention. Donc faites attention. Remettez comme ça. Voilà, remettez. Non, c'est comme ça. Voilà, remettez comme ça, et puis vous revenez doucement là-dessus. Voilà, et puis dites non, vous remettez la tomate, et puis voilà, bien, tranquille, comme ça. Et puis vous remettez la tomate dedans, comme ça vous remettez la tomate. Vous pensez que non, c'est pas cuisiné? Arrêtez vos conneries là, s'il vous plaît. Voilà, maintenant là. Bon, moi je mange piment. Si tu n'aimes pas le piment, c'est ton problème. Moi, j'aime pas le piment. Corona va sortir des narines. Il va s'enfuir. Voilà donc. Depuis quand un aigle ne mange pas le piment. Voilà donc, voici ça. Voilà. Et voici ce que ça donne. D'accord? Voilà, vous remettez l'huile. Parce que c'est important de revenir sur l'huile. L'huile est importante parce que c'est grillé. Voilà, c'est grillé. Vous revenez sur l'huile. Voilà. Voilà, vous revenez sur l'importance de l'huile. Je vous ai bien dit, le gombo grillé. Voilà, vous comprenez? Vous ne mettez même pas de l'eau maintenant. Vous grillez. Voilà, si vous voulez, frire tout. Vous essayez de frire un peu tout ce que vous voulez. Voilà, maintenant, ce que vous allez maintenant faire, vous dansez un peu dans la cuisine. Vous dansez un peu parce que c'est un repas avec beaucoup d'amour. C'est un repas avec beaucoup d'amour. Donc, je vais faire la sauce. Ça, je vous promets, la semaine, là, si vous voulez, je vais vous faire. Je vais revenir là-dessus. C'est des sauces, saka saka. L'amour. Roméo et Juliette, ils ont vécu l'amour. Samson, il s'est battu pour l'amour. Mais moi,
Je vais te chanter l'amour, maman Bessora. Aïe, aïe. On est confinés en fait, maman. On est confinés. Voilà, c'est la période où on met maintenant. On n'envoie pas une femme à la mairie à cause de beauté. Nia. Ato, on n'amène pas femme à la mairie à cause de beauté. Maintenant, vous mettez simplement. C'est maintenant vous mettez, essayez de mettre la tomate. Mais vous ne mettez pas encore d'eau. Voilà. Donc, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. On ne met même pas d'eau. Laissez. Parce que c'est une recette de victoire. Une recette si les ennemis. Quand vous voyez quelqu'un qui vous insulte, regardez sa bouche. Regardez son visage. Elle est la plus jolie que vous, mais elle est plus jolie que vous. Vous allez comprendre que c'est une jalousie. Voilà. Voilà, être miré avant d'insulter une personne. Ça, c'est important. Voilà. Donc, regardez. Regardez. Voilà. Vous allez dire, ah, mais c'est comme ça. Laissez, laissez, laissez. C'est ça. Bongo grillé. Voilà. Je vous ai dit à la base l'épinard, parce que l'épinard, c'est tout à l'heure. On ne va pas mettre ça maintenant. Voilà, c'est bongo grillé. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut mettre un peu d'huile. Mais faites attention. Écoutez la musique d'amour. C'est-à-dire quand vous écoutez, vous allez éviter d'avoir des gourmands. Vous écoutez la musique d'amour et vous faites la nourriture pour votre époux. Et épouse. On n'épouse pas une femme à cause de sa beauté, ni parce que ça s'habillait, à cause de son amour. Et ça, c'est important de rendre hommage aux femmes. Hommage à toutes les femmes du monde entier. La femme. Je vous dis que la femme, c'est la meilleure créature qui a créé l'homme. Respecte la femme. Moi, je respecte la femme. La femme, je l'ai toujours dit, pour tous ceux qui savent, ils m'écoutaient, ils savent toujours que j'ai mis en exergue la femme. La preuve, c'est que j'ai une ONG, la Fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de vie, qui s'occupe des orphelins, n'est-ce pas, des veuves, n'est-ce pas. 300 veuves, je finance, j'aide les veuves, parce que la femme, c'est la meilleure créature que Dieu a créée. On ne peut, moi je suis contre la maltraitance d'une femme. Et pour moi, la femme, c'est vraiment une créature rare. Enfin, une créature précieuse. Je préfère. Rare, c'est le prendre. Donc pour moi, mais une créature précieuse. Alors, comme je vous ai promis, en fait, je vous avais déjà promis, je ne fais pas ça pour m'exhiber. Je vous ai promis que j'allais vous faire une sorte de confinement. Voilà. Voilà, voici où on en est maintenant dans cette histoire. Voici la nuit qui s'en train de prendre. Vous savez qu'ils ne savent pas que la viande de porc est la viande blanche. Bon, donc moi je ne mange pas la viande roux. À la base, je ne mange pas la viande roux. Voilà, voici où on en est de cette histoire. Voici la nuit qui s'en train de prendre maintenant cette histoire. Voici la nuit. Ne vous inquiétez pas, je vous ai montré. Je vous montrerai jusqu'à la cuisson. Hein. Je vous montrerai jusqu'à la cuisson. Voici. La lutte qui sont en train de prendre. Restez tranquille. Restez et puis prenez les calmants, les paracétamol pour vos migraines. Parce que les jaloux qui ont regardé cette vidéo, ils vont faire une crise. Il y a des gens qui n'aimeraient pas vous voir heureux. Malheureusement, on a l'art de la sorcellerie, c'est l'art de la jalousie. Comprenez, les sorciers, c'est des bons jaloux. Alors. Bon jaloux. D'accord. C'est maintenant je mets tout ça. En vent de l'eau. Je ne mets plus maintenant l'eau. Non, 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 non. On ne fait pas l'eau maintenant. On est. Voilà. On dit confinement. On dit confinement. Nia. Ato. On dit confinement. C'est là toi tu critiques. C'est là toi tu fais sorcellerie. Au lieu de t'occuper de ta famille. Quand tu t'occupes des autres personnes, t'es sorcier, t'es sorcier. Le confinement là, allez voir dans Esaïe 26 verset 20. Ferme-toi dans ta porte, prie. Voilà, voilà. Donc quand c'est comme ça, voilà. Voilà, c'est cette couleur que je voulais, justement. C'est cette couleur que je recherchais. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand vous voyez, regardez, les tomates, vous voyez que c'est tout vert, non? Ça veut dire que c'est pas encore prêt. Il y a une heure, il y a une minute, voilà, j'attends juste pour assaisonner et puis mettre un peu d'eau. D'accord? J'essaie d'assaisonner.
maraîchage. J'ai fini avec sa graine. Ça, j'ai fini avec ça. Ça, ça rachit, j'ai fini avec ça. Maintenant, je vous montre les petites recettes. Voilà, c'est la sauce bombo cuillère d'épinards à la victoire. C'est une sorte de victoire. À moi, j'ai fait les sauces jasmané. Ça, c'est les moments difficiles. Maintenant, moi, j'ai la victoire. Et quand j'ai la victoire, je savoure la victoire. Alors, Daisy champion, j'ai oublié là. Daisy, alors. Daisy, où? Daisy, viens un peu, Daisy. Faire à ton âme, mon frère. Faire à ton âme, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Il y a plusieurs manières de parler de l'amour. On parle de l'amour entre un père et sa fille. Viens montrer un peu. Vous voyez, c'est cette poulette que je voulais. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que ce qui m'intéresse dans cette sauce, c'est le bombo. Voilà, c'est bombo. Donc, c'est pas encore cuit. Donc, je cherche. Voilà, donc j'ai une manière de faire. Je retourne. Ne laissez pas tout parce que vous allez voir, ça va cramer. Évitez que ça se crame en bas. Donc, tournez parce que ça va faire une part. D'accord? Et tournez. Parce que cette sauce-là, elle sera un peu pâteuse. N'est-ce pas? Ça fait rien. Ça nous envoie crier. Vous allez voir. Quand je vais commencer à mettre de l'eau après, vous allez comprendre un peu. Voilà. Il faut l'assaisonner à cette période-là. C'est là, l'occasion de l'assaisonner. On n'envoie pas une femme à la mairie à corps de portée. On n'envoie pas une femme à la mairie parce que ça s'abêtait. On épouse une femme à corps de son cœur. Oh là là, à corps de l'amour qu'elle a. Hommage à mon épouse, maman Bessoura. Bessoura, ça veut dire la femme de cœur, une fleur. Bessoura, une bonne nouvelle. C'est qui apporte une bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont marié des femmes, qui ont pensé être à épouser une femme. Moi, je sais ce que je vis. Je suis heureux. J'ai marié une femme. Je rends hommage à mon épouse. Alors, j'aimerais, pendant ces moments de confinement, nous les hommes, entrons en cuisine, préparons pour notre époux. Et ça, ce n'est pas la première fois que je fais à la cuisine. Tout le monde le sait, quoi. Et tout le temps, elle sait très bien tout ça. Mais je vous avais promis hier. En fait, je reviens, c'est une promesse. Sinon, je n'ai pas besoin de filmer une cuisine que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de vous faire frimer quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Parce que ma vie, j'ai la vie, ça n'engage que moi. Ma vie, c'est moi. Ma vie, elle est privée. Je n'ai pas besoin d'étaler ma vie. Je vis ma vie. Le problème, c'est quoi? Je vous dis, je vous conseille de vivre votre vie. Ne vous occupez pas des jaloux. Quand les gens vous verront heureux, ils vont vous attaquer. Toutes les gens qui vous voyons heureux, ils vont vous attaquer. Donc, voilà. Essayez. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est, vous voyez la couleur que ça donne à la sauce. À la sauce, voilà. Je suis en train d'assaisonner, c'est très bien. C'est justement après ça. Voilà, je suis en train de chercher. Vous voyez, je vais y aller. Le bombo commence à cuire à la base de l'huile. Ce n'est même pas, c'est lui qui est en train de faire cuire, n'est-ce pas? C'est lui. Comme vous me voyez là, j'ai un diplôme en maître d'hôtel. Vous me prenez pour gnani gnani. Regardez. Je ne suis pas gagné, hein. Je sais bien préparer. Je suis bon cuisinier. Je suis un bon administrateur. Voilà. Quand je suis à la maison, je mets, n'est-ce pas? Et surtout, j'aime cuisiner. J'ai toujours dit à mon épouse, ma passion, c'est la cuisine. J'aime bien faire la cuisine. Voilà. J'aime aller faire. Et puis, j'aime bien aller faire les courses, aller dans les supermarchés, acheter. J'aime bien. Et puis, souvent, masser votre femme. Masser là. Masse ta femme, ça fait quoi, Zadi? C'est important de se baler de temps en temps, de se baler. Parce qu'il faut nettoyer la cuisine. Ça fait quoi? Nettoie la cuisine comme ça. Nettoie là la cuisine. Parce qu'il faut être un peu propre. D'accord? Il faut être, voilà, il faut être propre dans tout ce qu'on fait, c'est la propreté. Heureusement qu'il y a coronavirus, mais il n'y a pas coronavirus, il faut être propre. Dans tout ce qu'on fait, l'hygiène est importante. Dans tout ce qu'on fait,
couleur. Vous voyez, c'est ça. La sauce à la base du bombo. En fait, c'est ce que je recherche. Je cherche. C'est pas encore cuit, hein. J'ai demandé de rechercher la cuisson de. Alors, vous allez me dire, mais combien de cuits magie je suis en train de mettre. Ça va faire bizarre aux gens. C'est pas tournant comme c'est cuit aux gens. Bon, un peu de Daisy Champion, c'est bon, ça fait du bien, d'accord? Un peu de Daisy Champion. Sinon, les sorciers sont en train de regarder la vidéo. Les sorciers. Vous regardez la vidéo. Pour tout votre problème, c'est que les gens ne soient pas heureux. Alors, comme je disais, ce n'est pas la première fois que je fais la cuisine. J'ai l'habitude de faire la cuisine. Je suis un maître d'hôtel. Ma profession avant d'être serviteur de Dieu. Voilà, je suis allé à l'école, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de choses. Administration, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis confiné. Nous sommes tous confinés. Pour moi, c'est un plaisir. Et pour moi, je dis, ma passion, c'est de faire la cuisine. Je fais toujours, je dis toujours à ma mère quand je me réveille le matin. Je t'aime parce que je découvre en toi de l'amour. Ouais, c'est pour ça que je t'appelle Bessoura. Maman Bessoura, parce que ça veut dire bonne nouvelle. Une femme qui apporte. Allez ici. C'est l'hébreu ancien, il a une bonne nouvelle. Elle est toujours là en train de dire ça va aller. Une personne qui va dire ça va aller. Je suis l'homme le plus attaqué. Mes ennemis, il y a trop d'ennemis. Mais cette femme est toujours venue, ça va aller. Je dis, maman baissera. Adam et Ève ont créé l'amour. Voilà, pourquoi les sorciers vont-ils. Regardez un peu. Voilà. Atia, regarde Atia, regarde. Mais c'est pas encore cuit, hein. Donc, arrête. Je vais assaisonner. Voilà, tenez tout. On n'envoie pas une femme à la mairie à cause de beauté. On n'envoie pas une femme à la mairie parce que c'est s'habiller. Donc épouse une femme à cause de son cœur, épouse une femme à cause de son cœur. Les gens ont raté parce qu'ils voient le prestige. Le mari, c'est pas le prestige, c'est le cœur. Une femme qui t'aide, elle payera le prix pour toi. Elle te défendra toujours, elle sera toujours là. Malgré le on rend, c'est la sorcellerie. Toi, tu es dans ton foyer et tu t'occupes du foyer des gens. Ton problème, c'est quoi? Tu dors pas parce que tu es sorcière. Tu maltraites ton mari, tu ne t'occupes pas bien de ton mari et tu penses que c'est toi qui donnes les instructions aux gens. Malheureusement, il y a des personnes, elles sont sorcières. Mais heureusement qu'il y a un Dieu de justice qui combat toujours. Vous savez, Dieu est juste. Je n'ai pas besoin de parler de quelqu'un. Tout ce qui est dans le faux finira par être détruit. Mais tout ce qui est dans le bon, ça se stabilisera toujours. La chose la plus claire, c'est qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a élu. D'accord? Angon. Malheureusement, les gens, l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. D'accord? Alors, on écoute Daisy. Je lui rends hommage parce que ça fait 2 ans. C'est quelqu'un qui me confie. Attends, je ne sais pas qui Daisy a confié ses secrets. Je suis quelqu'un qui Daisy a plus parlé. Moi, je lui dis la vérité. Hein? Daisy a plus, Daisy champion, père à son âme. Daisy a parlé plus avec moi. Pourquoi? Parce que je le comprenais. Daisy et moi. C'est plus de 10 ans de contact, lui et moi. Plus de 10 ans. Voilà, quand il est sorti de la prison, c'est 2004 déjà, j'ai pleuré, on a parlé de beaucoup de choses, il y a plein de choses. C'est Daisy qui venait pleurer dans ma main. Daisy dit, fais attention. Je suis sorti de la prison, je te dis une seule chose. J'ai un père, j'ai un homme de Dieu que je respecte, mais fais attention à ton entourage, parce que moi, c'est mon entourage qui m'a détruit. Alors, Daisy, je ne sais pas, je détiens beaucoup de choses. Il pleurait dans mes bras. J'ai vu l'église de Daisy évoluer. Je ne sais pas quelqu'un qui connaît mieux Daisy que moi. Bah, peut-être qu'il s'est confié à d'autres personnes. Alors, venez. Viens. Voilà, donc voici, c'est ce que je voulais. Voilà, donc voici la viande. Vous voyez, la viande du porc, elle est blanche. Voilà. Alors, donc voici ce que je voulais. C'est ce que je voulais faire ressortir dans tout ça. Alors. Vous êtes à la maison, vous êtes confiné, vous faites sorcellerie. Au lieu de vous occuper de votre propre vie, ouais,
Vous n'êtes même pas juste. Tu trompes ton mari. Tu es sorcière. Ton mari même, il te trompe. Et c'est toi qui t'occupes de la vie des gens. Sorcellerie. Alors, donc c'est une sauce confinée. La sauce de la victoire. Avant, c'était Gesmoné, mais c'est la sauce de la victoire. C'est-à-dire ça, nos ennemis sont écrasés. Toi qui m'écoutes là, voilà, c'est la sauce. Voilà, les gens voient. Voilà, voici ça. Vous pensez que Dieu là, il n'est pas le Dieu de justice. Il va vous laisser tout le temps en train de détruire la vie des gens. Voilà. Alors, c'est important que j'ai la musique parce que ça fait du bien. C'est moi ça inspiré, hein. C'est quoi, les gars? Ah, c'est la sauce qu'on fait. Sora. Tu es en train de convoiter, il ne faut pas sortir un esprit. Parce que tu deviens un esprit, le maréchal va te. Vas-y ça. Voilà. Tu n'es pas enjaillé. Hein? Tu n'es pas enjaillé. Hein? Tu n'es pas enjaillé. La sorte tombeau. À base d'épina. Voyez ça. Pourquoi
Vous pensez que c'est Marie-Jeanne la brigade seulement? Mais c'est ça, brigade, brigade de la Marie-Jeanne seulement. En fait, tu sais. C'est une main sac. C'est une main sac. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenant? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de mettre juste un peu d'eau. J'ai juste un peu d'eau. Sinon, il n'y a pas d'eau depuis là. On va mettre un peu. On va mettre encore juste un peu. On épouse une femme à cause de son cœur. Des champions, hommage à toi, père à ton âme. Ça fait 2 ans que tu nous as quittés. Tu t'es beaucoup confié à moi, je t'ai compris. Et je savais, tu me disais des choses. Voilà, tu me disais tellement de choses. Et maintenant, je comprends beaucoup de choses. Et que tu es vraiment un homme de Dieu. Voilà, pour moi, pour ceux qui ne savent pas, Daisy est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un homme véritable de Dieu. Il me disait beaucoup de choses, même de sa mort, mais d'une manière subtile. C'est maintenant que je comprends beaucoup de choses. Voilà, c'est maintenant que je comprends beaucoup de choses. Soyez toujours propre dans la cuisine. Soyez propre dans la cuisine. Même si on est confiné, n'oubliez pas la propreté. J'ai prié toujours Dieu d'être propre et d'aimer ma femme, vous comprenez? Ben. Voilà, voici cette sauce-là. Les gars, quand vous voyez ça, c'est comment? C'est comment, les gars? C'est comment? Voilà, maintenant vous voyez qu'on boule là, c'est cuit là. À la base de l'épinard. Vous êtes là, vous mangez seulement. Vos femmes préparent, vous mangez. Vous voyez ça? C'est pas qui veut faire cette sorte, hein. Qui peut? Voilà. Il ne faut pas laisser cramer. C'est ça aussi l'aspect esthétique de la sauce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Voilà. Regarde, c'est comment? Ça va? Respecter les consignes qui donnent l'état. Respecter, préparer. Et puis moi, j'aimerais que les hommes rentrent en cuisine. Préparons pour nos femmes. Préparons pour nos femmes les meilleures sauces. La sauce fer, ça contient du fer. Il y a du fer dedans. Voilà. D'ici 2 jours, je vais vous proposer une autre sauce. D'ici 2 jours. C'est papa. C'est du gombo grillé à la base de l'épinard. Voyez ça. J'ai parlé, j'ai commencé. Voilà. Gombo grillé. Gombo à la base de l'épinard. Il y a plusieurs manières de parler de l'amour. On parle l'amour entre un père et son fils. On parle l'amour entre une fille et sa mère. On parle l'amour entre l'homme et sa femme. C'est cet amour dont je vous parlais. Hommage à mon épouse, maman Bessora. Bessora qui veut dire. La bonne nouvelle, cette fleur. Adam et Ève ont connu l'amour. Roméo et Juliette, ils ont vécu l'amour. Samson, il s'est battu. Il faut te battre pour quelqu'un que tu aimes. Il faut protéger la personne que tu aimes. Alors, il faut te battre pour quelqu'un que tu aimes. Quand tu découvres l'amour, protège l'amour. C'est ça le problème. Et ça n'exclut pas. Ça veut dire que les gens qui vous aiment, il y a des gens qui vont voir que vous aimez. Il y a des gens, eux-mêmes, qui parlent. Ils ne sont même pas, quand vous regardez leur vie de couple, c'est les gnani, ils ne sont même pas modèles dans leur vie de couple. Elle ou lui, il est malheureux,
Mais c'est lui qui s'intéresse à une vie de couple. Il n'est rien du tout, mais c'est lui qui s'intéresse à une vie de couple. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie, l'art de la nuisance. Les gens n'aimeraient pas vous voir heureux. Mais vivez votre amour. Alors, je vais essayer de remettre encore un peu d'eau. Voilà. Alors, je ne vous rentre pas dans les secrets de l'art de la cuisine. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as mis trois fois de l'eau? Ça n'engage que moi. Parce que l'épinard, je l'ai mis, l'épinard. J'ai mis l'épinard, c'était dans une boîte de conserve. Voilà, donc pour moi, il faut faire cuire l'épinard après. Voilà. Donc, j'ai fait cuire parce que le gombo, il doit être grillé. Donc, je l'ai cuit grillé. Maintenant, l'épinard, je suis en train de faire cuire l'épinard à base d'eau. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu le secret. Voilà, c'est pour ça que je mets plusieurs fois de l'eau dans ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis deux fois parce que l'épinard, c'est pas moi. L'épinard, c'est en bois de conserve. Je ne sais pas à quel degré c'est cuit, mais c'est important pour moi de faire cuire l'épinard. J'ai fait cuire le gombo grillé. Voilà, donc c'est important. Alors, préparez pour vos épouses. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Voici la sauce. Il y a des femmes qui ne savent même pas préparer. Tu ne sais même pas préparer, c'est toi qui mets boucher les gens. Tu ne sais même pas t'occuper de ton mari, c'est toi qui mets boucher les gens. Alors, la première chose, c'est d'être sincère en amour. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amour superficiel et l'amour sincère. Et quand les gens vous verront sincère en amour, comme ils ne vivent pas le véritable amour, vont s'attaquer. Voilà ce que je voulais. Vous voyez, ça pue cette allure là parce que l'épinard commence à être cuit. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça. Il faut que l'épinard soit bien cuit. À cause de son cœur, elle est sincère en amour. J'ai épousé ma femme Desfora à cause de son cœur. Elle m'aime, je l'aime d'une manière sincère. On n'a même pas une femme à cause billet. La femme à cause de son cœur. Merci, hommage à maman Desfora. Desfora, c'est un nom simple. Ça veut dire, comme tu disais, chérie à une femme. Chérie. Desfora en hébreu ancien veut dire. Bonne nouvelle, une fleur, quand vous vous réveillez, elle vous apporte un parfum. Donc, maman Bessoura, ça veut dire. Et malheureusement, les ingrats, les lucifériens et les enfants du diable n'aiment pas qu'on soit heureux. Pousse pas une femme, c'est ça, billet. Voilà, donc voilà. Voilà, voyez ce que je voulais. Elle me dit tu as mis deux fois l'eau, mais ça va te partir, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, n'oubliez pas l'aspect de rendre ça un peu pâteux.
Anani, tu en gênes. Pasteur Anani, tu en gênes. Faut rester tranquille dans ton coin. C'est comme ça on prépare. Voilà, donc, alors, bien, celle qui va préparer maintenant le riz, voici la charmante dame. Shalom. C'est que j'aime. J'ai fini ta sauce. Comment tu trouves la sauce? Ah, ben elle est superbe. Elle est super. Elle est super la sauce? Elle est très très super. Goûtez, va voir. La sauce de la victoire. Maintenant, chacun a son tour dans la cuisine. Tu es dans la cuisine maintenant. À chacun son tour. À chacun son tour. Je fais le riz. Bah, les gars, à chacun son tour. Et va maintenant faire le riz. D'accord? Voici ma sauce que je vais faire. Voilà. Là, c'est ma sauce. C'est la sauce bambou grillée à base de pinard. Votre maman va faire son riz. Alors, d'ici deux jours, je vais vous montrer un peu parce qu'on est confiné. Il faut qu'on vous montre aussi comment on prépare. Je ne suis pas un héros de toi. Aïe, aïe, aïe. Je viens de faire cette sorte. Voilà, est-ce que c'est son tour de faire? Moi, j'ai déjà fait la sauce. Hein?
Marie, chacun a son tour. Chacun a son tour. Bon, ben, moi, j'aime bien quand on peut mijoter. Moi, mijoter. Ah. Moi je fais la sauce, elle fait le riz. Bon, maman, il fait griller. Ah, tu as fait griller le riz? Au nom de Dieu, je suis pas hier de toi. Amen. Non, il n'y a rien de tel. Soyez confinés. Restez chez vous, préparez. Voilà, moi je fais la cuisine pour l'épouse. Respectez. Si vous ne respectez pas les choses de la loi, c'est que vous-même vous êtes possédé. Une manière de nous sécuriser, mais les gens rentrent dans la cuisine. Rentrons dans la cuisine. Préparons. Ouais, c'est ma femme qui m'a rasé. Hein. Je ne suis pas encore coiffé. Voilà, c'est ça qu'il y a beaucoup de cheveux. Je suis en train de laisser mes cheveux. Je laisse mes cheveux jusqu'au déconfinement. J'ai laissé mes cheveux. Hein. Je suis en train de me dire à mon épouse, jusqu'en ce qu'on se découvre. Jusqu'on s'est déconfiné, je vais donner un bout de manger. Mais oui, il faut que je donne un bout. Jusqu'on soit déconfiné, je vais. Voilà mes cheveux là. Non, je laisse mes cheveux. Jusqu'à déconfinement. Je les garde. Je vais laisser ça pour tout le monde. Ouais, mes cheveux. Celle qui m'a rasé, elle dit, mais il y a quoi? Tu as barbu ou quoi? Fais du curry dans la sauce de papa est mortel. C'est l'ancien il est. Voilà, là aussi, elle entend danser. Là aussi. Elle danse. Tu sais que moi, je ne sais pas danser. Non, mais qui veut danser? On a un grand pouce. Grand éternel là. Qu'est-ce que tu entends de faire comme lui? Je fais du riz blanc, du riz blanc, donc j'ai composé en mettant de l'huile, de l'oignon, un petit peu de sel, j'ai fait mijoter l'oignon et après j'ai... La recette du riz, c'est juste du riz blanc accompagné de la sauce qu'on va griller. À base de l'épinard. À base d'épinard. Donc le riz, c'est juste du riz, hein, comme tout le monde le sait. Mais moi, j'aime bien quand le riz est fait à l'oignon. Donc j'ai mis de l'huile, de l'oignon pour faire mijoter, un petit peu de sel. J'ai lavé le riz deux fois parce que j'aime bien quand c'est bien lavé pour enlever l'amidon. Et après, j'ai mis le riz dans l'huile mijotée. J'ai fait revenir au moins 5-10 minutes et j'ai rajouté de l'eau. C'est tout. Ah. Et tu penses que la sauce, elle est bonne? Oh, la sauce, elle est très bonne, mais bon. Pour ça, je ne suis pas inquiète parce que tu as l'habitude de cuisiner. Hein.
Ah ouais? Ça, je suis pas inquiète. C'est bien assaisonné la sauce, la bien assaisonné. Très très bien assaisonné. J'ai goûté, c'est un truc de ouf. Sérieux là? Oui. On va se régaler. Bon, moi, parce que je suis la grosse mangeuse de la maison. Ouais, en plus. Hein. Le confinement me fait que manger. Je fais que manger. Voilà, chef. Et le riz prendra combien de temps ce riz? Bah, on va dire 20 minutes parce que surtout toi tu aimes bien le riz bien cuit. Donc, j'aime bien le riz bien clignant. Le riz bien cuit. J'aime pas le riz dur. Je ne suis pas à point. Voilà, donc voici la sauce. La sauce du maréchal. Tu as vidé la boîte? Je vais mettre une parce que c'est pas bon de. Je vais mettre dans la boîte. Ok. Bah là, maintenant, un secret. On vient d'utiliser une boîte. Elle va garder son frère. Mais explique aux gens. Hein. Parce que cet aspect, là, il faut expliquer aux gens. Oui, parce que. Normalement, la boîte de conserve, c'est pas bien de laisser au frais. Au frais. C'est pas bon parce que c'est une fois rouillé, ça peut créer des maladies. La cuisine préparée pour votre épouse, préparée, c'est important. Aïe, aïe, aïe. Quand vous découvrez l'amour vrai, alors vous suivez. Merci beaucoup. Ouais, Désir, Père, à ton âme, voici quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses. Je laisse ma cheveux, je dis, plutôt dès que je mange, je vais laisser ma cheveux, moi mon cheveux, mes cheveux plutôt. Je vais laisser mes cheveux, ça va beaucoup pousser. Pour que les gens comprennent que j'ai tellement de cheveux. Aïe, moi je prépare, chez moi je prépare. Que je vais vous parler. Et c'est ma sauce. Un homme qui cache l'argent à sa femme, c'est un sorcier. Alors, si tu es une femme, un homme, tu caches ton argent à ta femme, tu es un sorcier. Il n'y a pas de sorcellerie que ça. Moi, c'est ma femme qui gère mon argent. Ça, c'est la sauce, hein. C'est pas moi, ce que vous pensez. Voilà, donc. Alors, donc, quand tu as l'argent, il faut parler, il faut donner la gestion de l'argent à vos femmes, aux épouses. Ça, c'est important.
Mais en même temps, voilà, voilà, c'est super. Waouh, c'est super. Ouh, c'est trop bien. C'est trop bien. L'action. Vous savez pas que le prophète, le maréchal, a travaillé tellement sa voix, vous comprenez? Oh là là, viens voir. Donne l'eau, c'est ce que je voulais là. L'eau a disparu. Oui, l'eau a disparu. Je ne veux pas la salade de fruits. Non, la salade de fruits après. Okay, hors caméra, tu fais la salade de fruits. Il y a trop de bouillon là. Oui, parce qu'il faut manger aussi du fruit. Hein. Il faut aussi manger du fruit, assez de fruits. C'est important. Voilà. Donc on a attendu demain on fait 2 heures de sport, on va courir un peu dans le quartier, désolé mais on l'a oublié, c'est juste à côté de nous, on court, un portail, un autre portail, ça va nous faire 2 heures. C'est juste à côté de nous, s'il y a des gens, on sort. Voilà. Voilà, donc voici ma sauce. Voilà. Voilà, voici la sauce. Voilà, c'est ce que je voulais. Et l'eau est partie. Voilà. Voici la sauce que je viens de faire. Voilà. Ça c'est ma sauce. Ça, c'est le riz de mon épouse, Maman Bessora, qui veut dire fleur et une femme de bonne nouvelle. Voilà. Comprenez? Mais moi, je fais ça au quotidien. Le problème, c'est quoi? C'est que chaque jour, je prépare. Mais si je ne mange pas bien, il mange bien. Hein? Mais si je ne mange pas bien, tu veux que je mange comment? Alors. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une porte ouverte. Je vous permets de rentrer un peu dans mon quotidien. Voilà. Si vous voulez faire sorcellerie, ça n'engage que vous. Voilà, tu vois, non? Bien, chérie. Tu as vu que tu vois que l'eau est partie. Tu as vu que l'eau est partie, c'est ça. Ça pas de famille. Non, parce que en fait, j'essaie de. C'est malassé, on dit quoi? Malassé, on dit. De tourner. Et le Congo est resté. Bon, on reste en fait, tu vois. Plus on tourne, tu vois, que la sauce même ressort, le bonbon ressort, tu vois. Voilà. Donc c'est nickel. Réellement, les crabes, c'est après. Les crabes. Bon, comme ma femme aime les crabes, comment les crabes? C'est là? Les crabes sont là? Oui, il y a 22. Bon, ma femme est venue de mettre les crabes. Donc je vais mettre les crabes de mon épouse. Les gars, crabes. Ma femme aime les crabes. Alors je mets les crabes. Je fais comment? Je fais des fois pour savoir bien préparer. Moi je prépare. Voilà, donc j'ai mis crabe là. Mon épouse dit, papa, faut mettre crabe, voici crabe. J'ai mis crabe. Voici crabe. Regarde, voici crabe. Voici crabe, je viens de mettre. Voici crabe, miam. Voici crabe, c'est comment? C'est bon, c'est bien. C'est bien, moi j'aime le fruit de mer. Voilà, le fruit de mer. Bon, combien de temps sera au Cap Vert? Dans quelques jours, on sera au Cap Vert. Tu vas bien manger, je te fais les langoustes braisées, à la base de citron, tout ça avec du lait de coco. Tu sais très bien le faire. Voilà. On sera Mendelo, bien. Après, pareil, hier, on sera Mendelo. On sera Mendelo très bientôt. On sera au Cap Vert, on sera Mendelo. Voilà. Voilà, alors, je vous montre. Elle attend de mettre de l'eau. C'est-à-dire on doit montrer comment tu cuisines. Alors, oui, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, je ne sais pas, j'ai rajouté de l'eau parce que... parce que toi, tu aimes bien le riz bien cuit. Bien, donc, bien, voilà. bien cuit. Moi c'est pas un souci, mais toi, si ce n'est pas bien cuit... Ah, bah, je ne mange pas. Tu ne manges pas, donc... Je ne mange pas ça. Voilà, donc voici un peu. Voilà, donc on est confiné là. C'est pas pour aller faire un bon dos. Vous qui ne préparez pas là, pour vos femmes là, tu es maplao ou bien? Tu es sorcier ou bien?
Un homme doit partager beaucoup de choses avec sa femme, son quotidien avec sa femme. Il doit faire plaisir à son époux. Et la femme doit faire plaisir à son époux, partager un quotidien. Voilà, tu as vu que la... Le, voilà, là, c'est très beau, là. Voilà. Maintenant, en fait, c'est, ça cause le, la paix des pinas, là. Waouh, wow, ça a l'air beau, là. Tu as vu Bangoué la dernière fois, le saka-saka, fait du manioc. Franchement, moi, bientôt, elle n'aimait pas faire du manioc. J'ai préparé ça, c'était hors caméra. Mais je vous promets, très bientôt, c'était la feuille du manioc. Je vous préparer la feuille de manioc devant mon direct. La feuille de manioc, vous allez comprendre. Ma femme a dit non, 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 j'aime pas feuille de manioc. Quand j'ai préparé la feuille de manioc avec la sauce, elle s'est régalée. Très bientôt, d'ici 2 jours, la feuille de manioc. Et ça, je vous promets. Voilà. Sauce arachide, j'ai fini ça. Sauce grecque, j'ai fini ça. Donc, moi, je sors, je mets fait. J'aime bien ça. Sortir, aller faire. Mais les courses, voilà. Allez faire les courses, venez cuisiner, ça vous fait quoi? Donne des conseils aux femmes qui elles aiment trop les lance roquettes. C'est comment? Mais là, c'est comment? Vous avez préparé chez vous? Qui a préparé? Qui a préparé pour sa femme? Les gars, c'est comment? Vous avez préparé pour vos femmes? Est-ce que vous avez préparé? Dis aux femmes là, comment elles font? C'est déjà la main. Combien de choses vous avez dit? Mais chaque femme doit. Alors, chaque femme doit cuisiner pour son mari, doit être une femme douce, une femme de tout pour son mari, parce que voilà. La femme, c'est pas, comme on le dit, c'est pas juste pour s'habiller, ni se dire je t'aime. Je t'aime. C'est aussi la cuisine, s'occuper de son mari, parce que l'homme, c'est un peu nos bébés à nous, hein, donc il faut s'en occuper au quotidien. Bébé. Au quotidien. Tous les jours, au quotidien. Voilà. Bébé, hein. Prophète Crasso, Marisha, ça c'est bien à l'église. Ici, je suis père et marié époux. Donc, je laisse. Après le Marisha, là, c'est dehors. Ici, là, je suis époux. Je suis en kilos, en bermuda, en t-shirt, je ne prépare. Je m'équipe ma maison. Voilà. Marisha, c'est là-bas. Tu es célibataire, demande bon mari et bonne femme. Sinon, tu vas manger Bézet. Envoyez les pères et les qu'elles mangent pendant. Je suis allé faire les courses. Ma femme, avant que je ne prépare, que tu manges, tiens. Voici ça. Mange, tu vas grossir. Tu ne pourrais plus manger ton repas. Non, mange plus. Ça, c'est après. Les gars, préparons. On est confinés, on n'a pas le temps, on travaille. On a mené un bout de temps, préparons pour nos femmes. Voici ma sauce. Voilà, voici ma sauce que je viens de faire. Ah, c'est la sauce bombo grillée à la base d'épinards. Voilà, voici. Et chacun fait son plat. Elle est faite de riz. Nien, c'est toi qui sais. Chacun. Non, c'est pas. Elle me demande si j'ai pas envie. Non, c'est pas encore prêt. Ah, non, j'ai dit c'est vous, bon, mais c'est pas encore prêt. Mais, écoute, un petit peu. Mais chacun fait pour lui. C'est dur, là. Un peu de temps. Tant que dit, aïe. J'ai laissé mes cheveux beaucoup comme ça. Le confinement, non, je ne peux laisser. J'ai laissé mes cheveux m'en pousser. Et après, je vais passer.
Je laissé ça, elle m'a dit, elle fait m'arraser. Hein. C'est ma femme qui m'a rasé. Et donc, on est confiné dans ton air. Je laisse mes cheveux. Je vais devenir coco. Je vais vous montrer que, hey, moi, je me compte chaque semaine. Mais si je laisse mes cheveux 3 mois, vous allez voir. Ça, je vous promets, je vais laisser mes cheveux 3 mois sans raser. Vous allez voir. Non, oui. Elle dit, oulala, je vais vous laisser mes cheveux de 3 mois sans être rasé. C'est que ça donne. Hein? Oui. Cheveux de 3 mois. Ça fait déjà 1 mois. Maintenant, cheveux de 3 mois. Ça fait 1 mois. Pasteur Anani, à toi l'odeur du bon appétit. Bon appétit, papa. Monsieur, bonne odeur. Monsieur, bon confinement là où tu es. Dors bien, prends les odeurs. Pasteur Anani. Allez, prends les odeurs. Shalom à toi. Alors donc, je vais laisser mes cheveux pendant 3 mois. 3 mois. Et puis je vous dis, ah, ces cheveux de 3 mois, vous allez comprendre que... Je regarde si c'est la même chose avec les cheveux. Oui, mais il faut que ça soit une fois. Ah oui, je regarde. Je vais regarder votre ressemble avec ça. Voilà. Elle va me voir comment quoi, ils sont venus, mais on est confinés. Voilà, quand on sera déconfiné, je vais me raser. Mais pendant le confinement, je vais laisser mes cheveux. Et puis je vais montrer aux gens comment mes cheveux poussent vite. Mes cheveux poussent très très vite. Mes cheveux poussent très vite. Non, on coupe Désir. Hommage à son nom. Hommage à Désir, mon fils. Ah, que oui. Les gens n'ont pas connu Désir, mais Désir c'est un prophète. Hein. Pendant que Désir chantait, ça le fait par cœur. Voilà, j'ai participé. Est-ce que les gens ne savent pas que Désir, dans les coulisses, j'étais quand même directeur artistique. Je me suis. Voilà. Bon les gars, la partie où on mange, vous ne voyez plus dedans. Alors donc, voici, nous sommes en train de préparer mon épouse, Madame Crasso, d'accord ? Le Sora, mon épouse, vous comprenez, nous sommes en train de préparer un bon repas par la grâce de Dieu. Voilà. Alors voici ma soeur. Et voici son repas. Vous comprenez? Alors donc, elle veut faire son riz. Et moi je fais ma soeur. Vous comprenez? Mais oui, on va manger avec lui. Et dimanche, on mange seul. On va manger avec lui. Merci. Vous savez, une personne qui vous aime, elle se battra pour protéger votre image. Une personne qui vous aime, elle ne va jamais se mettre avec votre détracteur. Une personne qui vous aime, elle vous aidera à avancer. J'ai toujours dit, toute personne, les grands leaders de ce monde, ils ont eu une destinée. Ils ont d'abord eu une vision. Et dans la vision, il y a eu la vallée. Et après la vallée, il y a eu la montagne. Vous comprenez? C'est des morceaux avec lesquels Désir a chanté, tout ça. J'ai eu l'occasion de mettre ça. Et ces personnes sont battues.
malgré leur vision. La vision ne veut pas dire forcément que tu ne seras pas vilipendé. La vision, quand tu as une vision, les gens vont te vilipender, ils vont t'insulter, ils vont te traiter de tous les noms. Mais oui, ils diront tout. Et malheureusement, au fur et à mesure que les gens répètent le mensonge, les gens finiront par croire que leur mensonge est une vérité. Mandela, il a une vision, c'est d'être président, n'est-ce pas, de qu'on appelle l'État de d'être président de l'Afrique du Sud. Alors il s'est battu pour cette vision. Mandela s'est battu pour cette vision. Vous comprenez, il s'est battu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette vision s'est concrétisée. Avant qu'il ne meure. Alors, il a fait 27 ans en prison. Il y a eu des propositions, malgré qu'il est en prison. C'est pour ça que, frère, il y a des personnes, elles n'ont jamais été dans ta vie. Elles sont venues juste pour quelque chose. À cause peut-être ton nom, ou à cause du fait qu'elles savent et qu'avec ton image, elles puissent vraiment se positionner. Elles n'ont jamais été dans ta vie. Ces personnes-là sont là juste pour quelque chose. Vous comprenez? Mandela s'est battu. Alors, quand Mandela s'est battu pour quelque chose, Mandela, la seule chose que Mandela a fait, c'est que Mandela a compris que la vision, il y a toujours un prix à payer. Il y a des personnes avec lesquelles, n'est-ce pas, nous payons le prix. Les personnes avec lesquelles vous payez le prix, ce sont des personnes véritables. Les gens qui viennent dans votre vie et après vous constatez que ces personnes sont avec vos détracteurs, elles n'ont jamais été avec vous. Vous comprenez? Elles n'ont jamais été avec vous. Ces personnes, elles sont juste là, n'est-ce pas, elles sont là juste pour, n'est-ce pas, elles sont là juste pour des formalités, vous comprenez? Elles sont là juste pour des formalités. Alors, donc les vraies personnes qui vont vous aimer, c'est des personnes qui se battront pour vous, et ces personnes-là se battront pour votre vision. Oui. Mandela s'est battu pour sa vision. Aujourd'hui, il est une icône, hein? Quand on parle de la paix, on parle de Mandela, quand on parle de la paix, on figure Mandela dans cette histoire. Alors, quel est le prix que tu as payé? Quel est le prix? Voilà. Ton amour, c'est quoi? Quand on se bat pour quelqu'un, quand on aime une personne, on protège une personne. On n'agit jamais. Quand quelqu'un dit qu'elle vous a une fois aimé, qu'elle se retrouve avec vos détracteurs, qu'elle-même communique avec vos détracteurs, qu'elle vous a découvert et qu'elle parle avec vos détracteurs, cette personne ne vous a jamais aimé. Elle était là juste dans votre vie, comme une sucette, comme une personne qui était là juste pour vos nuits. Parce que l'histoire, n'est-ce pas, dit, aucune personne n'est maître de la destinée d'une personne. Aucune personne ne peut gérer la destinée d'une personne. Alors vous voyez des personnes qui rentrent dans la vie comme si c'est elle qui faisait votre vie. Non, si elle qui faisait votre vie, elle, sa vie est devenue quoi? La personne qui pense que c'est elle qui a géré ta vie, qui a fait de ta vie ce qu'elle veut, pour même du coup elle a apporté quelque chose à ta vie. Mais elle, qu'est-ce que sa vie est devenue? Dans la vie, vous allez avoir des personnes sincères, vous allez avoir aussi des personnes, n'est-ce pas, vous voulez des personnes aussi, argent du diable, pour juste combattre votre destinée. Soyez heureux. Soyez ce qui vous êtes. Vivez votre amour. Soyez heureux. Parce que le but, l'objectif de vos ennemis, c'est de vous voir malheureux. L'objectif de vos ennemis, c'est que vous ne soyez pas heureux. Vivez votre vie et soyez heureux. Parce qu'il n'arrive qu'un homme, ce que Dieu aura décidé. C'est ce que Dieu a décidé qui va t'arriver. Aucune personne sur cette terre, aucune chose n'arrive à une personne, ce que Dieu aura décidé. Moi, je dis toujours, ce qui m'arrive, gloire à Dieu. Tout ce qui m'arrive, gloire à Dieu. J'en tire toujours une leçon. Quelle est la leçon que j'en tire de ce qui m'arrive? Au contraire, quand quelque chose m'arrive, je revois le vrai visage de mes vrais amis. Je dis hommage à tous ceux qui m'ont aidé dans les moments difficiles, à tous ceux qui sont l'Église Pentecôte Authentique Internationale de Paris. Je ne saurais citer leurs noms. Merci à mes enfants de la Suisse. Je ne saurais citer leurs noms à mes enfants qui sont un peu partis dans le monde. Et ceux qui sont révélés à moi, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, au Canada, dans les moments les plus difficiles de ma vie, qui se sont révélés à moi. Et des enfants au Cameroun, au Gabon, n'est-ce pas, en Afrique centrale, n'est-ce pas, au Burundi, n'est-ce pas, en Australie, en Égypte, dans les moments les plus difficiles de ma vie, je les ai. Hein? Au Canada, je viens du Canada, qui se sont révélés à moi pour dire, papa, nous sommes avec toi. Au moment où je pensais que l'homme est méchant, l'homme trahit les gens, ces personnes se sont révélées à moi. Dieu merci. Mais c'est dans les moments difficiles, vous découvrez le vrai visage des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des deux ennemis que vous devez éviter dans votre vie. Il y a des ennemis qui sont là par intérêt et des ennemis hypocrites. C'est ça. Alors, je tiens à dire chapeau aux vrais amis, aux vraies personnes, des gens sincères,
sincère. Tout compte fait, vous allez beau monter. Les gens voulu détruire Mandela. Ils ont tout fait. Ils ont crié, conspiré. Il a fait 27 ans en prison. Si la prison tuait une destinée, Mandela serait mort. Les gens voulaient tuer Mandela. Parce qu'on dit non. Il faut qu'on le nomme comme ministre. Il a refusé. Toutes les propositions des hommes, il a refusé. Et un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Dieu l'a fait sortir de la prison. À l'image de Joseph. Frère, tu es comme Joseph dans cette destinée. Les gens t'en veulent. Et par moments, les gens pensent qu'ils ont raison. Ils font aussi une communication. Et la plus sale sur les réseaux sociaux pour te vilipender, pour salir ton image. Or, quand tu regardes la réalité des gens qui parlent contre toi, elles ne sont que là. Pas jalousie, pas conspiration, parce qu'elles savent très bien qui tu es. Frère, vis ta vie. Il n'arrive qu'un homme de ce que Dieu aura décidé. Frère, dans ce monde de confinement, nous devons chercher Dieu. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, personne ne sait quand ça va finir. Il n'y a que Dieu seul. Chacun cherche sa tête. Si tu vois quelqu'un continuer de te détruire, quelqu'un continue de conspirer contre toi, quelqu'un cherche à te détruire. Malheureusement, il y a des gens qui savent qui tu es. Parce que pour eux, ils veulent te tuer. Comme tu vis, ça les énerve. Comme tu es heureux, ça les énerve. Mais il n'y a que, on doit vivre notre vie. Ma vie n'est pas liée qu'à toi. Ma vie est liée à la destinée de Dieu. Alors, votre vie n'est pas liée à une personne. Votre vie est liée à la destinée de Dieu. Tout contre fait. Quand vous décidez de nuire à la vie d'une personne, vous rentrez en conflit avec Dieu. Parce que l'être humain est sacré. Quand vous décidez de nuire à quelqu'un, et quand vous êtes même, vous persévérez dans cette voie, ça veut dire que Dieu a blessé votre cœur pour vous tuer. Shalom, prophète Crasso. Alors cette sauce, frère, la partie où on mange, je ne vais pas vous montrer. Vous, j'ai fait la cuisine. J'aime ma petite famille. Nous sommes confinés là. Vous comprenez? Voilà, on a fini avec la sauce. C'est la sauce bambou à la bambou grillée à la base de d'épinards. Ma femme est en train de faire, elle est en train de faire ce qu'on appelle cocktail de fruits. Voilà. La salade de fruits. Un peu dans sa bouche. Voici le riz. Voilà. Voilà donc frère. Je ne suis pas né avec quelqu'un. La vie n'est pas liée à quelqu'un. Madeleine même a compris que même dans la prison qu'elle est sortie, sa femme qui pensait l'aimer, c'était cette femme-là qui était plus terrible. Frère, liez-vous à ceux qui vous aiment. Attachez-vous à ceux qui sont prêts en amour. Et la Bible dit que votre amour soit sans poser d'hypocrisie. Tu as fait quoi quand j'étais dans les moments les plus difficiles? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour telle personne? Quand il était dans les moments les plus difficiles dans sa vie, quelle est la porte que tu as portée? Tu as porté quoi? Tu as aidé quelle personne dans les moments les plus difficiles? Dors, réveille-toi. Tu as décidé de nuit, vas-y. La Bible dit, calomnier une personne, c'est un crime contre l'humanité. Ceux qui calomnient une personne, tu commets un crime contre l'humanité. Son sang criera vengeance. Et le jour où Dieu se décidera pour te châtier, il n'y aura aucune personne qui pourra plaider contre pour toi. Parce que la Bible dit, dans Somme le chapitre 11, le 101, le verset 5, n'est-ce pas? Celui qui calomnie son frère, n'est-ce pas? Celui qui calomnie son frère, n'est-ce pas? Le détruit. C'est un crime. C'est un crime contre le sang. Alors, bien-aimés, soyez heureux, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vivez votre vie. Ne vous occupez pas de ça. Quoi disons, ce que les gens disent de vous. Alors, vivez votre vie chrétienne. C'est ça qui est plus important. Ce que les gens disent. Ils diront toujours des choses de vous. Les gens sont jaloux. Les gens diront toujours des choses. Vivez votre vie. Tout compte fait, c'est Dieu qui décide que tu chutes, c'est Dieu qui décide que tu sois en bas, et c'est Dieu qui lève une personne. Shalom à vous. Alors je vais faire justement, d'ici deux jours, je vous proposerai encore une sauce du confinement. On est ensemble, frère, on est ensemble. Je ne suis pas né avec quelqu'un, quelqu'un n'est pas né avec moi. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, si cela dépendait de toi, fais du bien aux gens. Regardez un peu la manière de faire des gens. Quelqu'un qui est du diable cherche à détruire et quelqu'un qui est de Dieu aide toujours son prochain. Or, les commandements de Dieu sont basés sur deux choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Et la Bible nous dit, 1 Jean, le chapitre 3, le verset 15, celui qui aime son prochain
est un meurtrier. Or, dans Isaïe 59, quand Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure, mais ce sont vos cris qui nous séparent. Beaucoup de cris, parce que le cœur des gens, ils n'aiment pas vous voir avancer. Le vrai problème des Africains, c'est la jalousie. Quand un Africain progresse, quand quelqu'un progresse dans une famille, et une soeur ou un frère est heureux, on est jaloux. Ton problème, c'est la jalousie. C'est ta jalousie qui fait que tu insultes, tu vilipendes. Chaleur, soyeux, si cela dépendait de vous, frère, tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un. Vis ta vie, sois heureux. Mais si tu vois que tu sors de ta réserve, tu commences à vilipender, insulter, ça veut dire que toi, tu as un problème. Tu es un enfant de Satan. Et toute œuvre satanique est toujours montée. Regardez bien, ceux qui vilipendent, insultent, ils finiront toujours bien. Maréchal, soyez béni. À très bientôt pour la tournée africaine. 00-337-55-30-87-48. Nous sommes en train de travailler sur la grande tournée africaine dans tous les pays africains. Inch'Allah, nous sommes ensemble.